Le coup de plume. Go! On pourrait se faire tour à tour un petit tour, je vous rappelle toute la catégorie. Donc les canons, on avance. Allez, on n'hésite pas à avancer. Devant, vous arrêtez les synchronisations, vous stoppez. Au fond, au milieu, vous avancez. On ne bouge plus. Attention. Go! Deux kayaks, même personne, même la première note également. Un gratuit et un petit tour. Le club de Laval qui vous accueille aujourd'hui, sachez qu'il y a environ, c'est un club des meilleurs clubs français, puisque les premiers clubs, les 20 premiers clubs français forment les National 1, et ensuite c'est National 2, puis National 3. Et donc, comme le club de Laval, le CK Laval, est arrivé 20e, il a fait son entrée dans les grands clubs français, puisqu'il est passé en National 1. Sachez également que... dans cette catégorie, Minime Benjamin, numéro 34, il s'agit de... un club du Maine-et-Loire qui se situe dans le Baugeois, à 17 km environ au nord d'Angers. Petite commune d'environ 4500 habitants. Numéro 29, Elisa Guinut de Bushmen. Martin Lépine de Laval, c'est le premier pour l'instant, Benjamin. Et puis le 32, il s'agit de Noé Martin de Carlégan, le 46. Pour la minime sur 5000 mètres, puis également elle a fait 4e en fin d'âme minime 1 sur 500 mètres. Derrière, Rémi Boucher, on peut l'applaudir, du même de la balle. 9e en fin d'âme minime dernière et 11e en fin d'âme minime 1 sur 500 mètres. Voilà, c'est fait, puis l'applaudit très fort. Également en fin d'âme minime 1 du grand Bushman, minime 1 qui est très très proche des minimes 2. Elles ont du souci à faire pour... Présent. Le Boisdec François, présent. Le Courroux Kervé, présent. Ferret Emmanuel, présent. Et la Voile Myriam, présente. Allô Myriam. Et au milieu. Allez, vous alignez s'il vous plaît sur la ligne. Vous êtes parti pour 5000 mètres. On se calme sur le bateau américain au milieu là. Avancez au milieu s'il vous plaît, je ne donne pas le départ. Sur fond vous reculez. Sur de devant vous reculez légèrement. Au milieu vous avancez, faut pas avoir peur. Allez, allez. Attention. Go! Allez, Gabriel! C'est parti pour ces catégories canoë et paracanoë. Il y a plus de soleil, il vient tout juste de reprendre. Et là... j'ai rien compris à leur départ. Genre, ils ont dit, attends un peu, et là, coup d'un coup. Jules Well qui passe devant nous. Alors écoutez bien le palmarès de ce jeune kayakom, c'est un homme, canoë homme junior, vice-champion de France en C2. Et en C1 homme junior l'année dernière. Et puis sur la vitesse, il est également vice-champion de France sur 500 mètres. Et il a terminé aux portes du podium, 4e sur le 200 mètres l'année dernière. Donc c'est un jeune homme qui flirte, qui truste les podiums au niveau national.
On a la chance de l'avoir avec nous sur ce championnat régional. Jules Well, qui est originaire du club de Tiercé. C'est lui le. Voilà. Voici Jules Well, on peut l'encourager. Il va terminer dans quelques instants. Il a encore un petit tour à faire. Alors que derrière lui, deux autres athlètes 95 qui arrivent. On se rappelle. Non, il va pas être là. Alors, 95 passe devant nous, la Valois d'origine, Tanguy Souchère. Trois titres de champion de France de marathon entre 2017 et 2019, top 5 mondial en 2018. Il est maintenant, il marche au club de Metz, et à côté de lui, 96, il s'agit de Laszlo Casseron, de l'entente Anjou Sportive, Sportive Anjou. 94 maintenant également, le Bouedec Elias. Je vous rappelle que c'est le championnat régional canoë-kayak de Foum sur 5000 mètres et que c'est un championnat qui est sélectif pour les championnats de France. Si les athlètes veulent se sélectionner pour aller aux championnats de France qui auront lieu à Libourne le 9 et 10 avril prochain, Libourne en Gironde, près de Bordeaux, ils font venir ici se sélectionner auparavant, sinon on ne pourra pas participer aux championnats de France. 86. Il s'agit de Malon et Lyon, du club de Rome. Rendons dans le sud de l'île de Vienne. D'abord, la voie de la mer de la Mayenne, de la Loire-Atlantique, de Vienne, Ménéloire, tout. Sans doute, notre athlète par canoë homme, Emmanuel Ferret, kayak, 5e année en canoë par canoë sur 5000 mètres. Myriam Clavreul en paracanoë. Alors qu'arrive le premier canoë maintenant, on peut l'applaudir, Jules Well. Jules Well, on peut l'applaudir, il est à Télézac avec son bateau rouge qui va en terminer. Bravo à Jules. 26 minutes. Vice-champion de France. Il est également 4e sur 200 mètres et 2e vice-champion de France sur 500 mètres. Allez, Tanguy, allez! Les deux modèles qui vont arriver maintenant. Et ça va être la bataille aussi au niveau des seniors. Allez, qu'est-ce que ça va donner? Entre temps, les sujets, ils vont venir et s'en faire la bataille. Allez, Tanguy! Champion de France du marathon en 2017-2019, top 5 mondial en 2019-2018. La première féminine, on l'applaudit bien fort, Lali Marchand du Val de Laval qui a bien s'imposer dans sa catégorie. Bah non, elle n'a pas terminé là. Allez Lali! Lali Marchand. Ah ben c'est une volonté. Voilà. Elle est extraordinaire. C'est bien Eva, c'est bien. Bravo Eva. Je vais faire un peu.
Solène Gentric, 6e en minime 2. Manu, à 27 km au sud de Reims, ils ont fait 420 km pour venir jusqu'ici. Après, à partir du mois de décembre, ça a été une chance. Le 2. Le 2, Mathieu Ackermann, Océan, champion de Normandie 2022. Le numéro 33. Hop là. T'en es pas à jeu. 33, Gilles Enzo, Morbihan Paddle Club, qui fait de la compétition depuis 2015. Ah non, je pense que c'est un Neuvième de l'ultra longue distance de l'enfer de l'Ouest, 52 km en 2022. 26. Nicolas Brulet, toujours de l'US changé 53 Sun Up Paddle. Qui arrive pour la deuxième place, on peut applaudir. Maillot blanc. Et troisième place pour le 262. Ronan Lucas de Bol de Sup R. Cesson. Il fait du sup depuis plus de 10 ans. Voilà. On vous attend pour la remise des prix, pour toutes les médailles de la matinée en kayak. Et dans cette se penche pour nous. Le 1, Simon Ackermann, Océan, 3e en Technical Race Junior, en champion du monde ici à 2022, champion de France. Et le 11. Le 11, c'est Chauvel Mathieu qui a eu la 2e de Nantes Paddle, qui a acquis de formation. Pratique le sup pour le fun. Et le numéro 3 et le 3e, bah oui, ça tombe bien, c'est normal, c'était écrit sur son maillot. 3e, attention, il s'agit de Pierre-Alain Debois de Changer, qui est, on peut l'applaudir, champion du monde chez les plus de 40 ans. C'était au mois de septembre. Il est co-organisateur de l'événement aujourd'hui aussi, également, en plus. Alors, derrière, c'est la fin aussi pour... Oui, c'est la fin pour la première féminine. Non ? Ah, bah oui, je crois que ça... Non, parce que vous avez... Ça, c'est dur, ça. Ah, bah, on va pouvoir reprendre...